Très impressionnant. J'espérais bien que vous seriez satisfait. Nos clones sont dotés d'une pensée créative. Vous constaterez qu'ils sont immensément supérieurs aux droïdes. Nous sommes très fiers de nos méthodes de préparation au combat et de nos programmes d'entraînement. Ce groupe-ci a été créé voici environ 5 ans. Vous parliez de croissance accélérée. Oui, c'est essentiel. Sans cela, il faudrait toute une vie pour amener un clone à maturité. Maintenant, il nous faut 2 fois moins de temps. Je vois. Ils sont totalement soumis. Ils obéissent à n'importe quel ordre sans poser de questions. Nous avons modifié leur structure génétique pour les rendre moins indépendants que le sujet d'origine. Et qui était ce sujet d'origine? Un chasseur de primes du nom de Jango Fett. Et où est-il maintenant, ce chasseur de primes? Oh, nous le conservons ici. À part ses appointements qui sont considérables. Fett n'a exigé qu'une chose, un clone non modifié pour son usage personnel. Curieux, non? Non modifié. Un double génétiquement pur, sans altération de sa structure, pour le rendre plus docile et sans accélération de croissance. J'aimerais beaucoup rencontrer ce Jango Fett. Je me ferai une joie de vous le présenter.